Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une vidéo de la bêta test fermée de Steel Racing. Donc Steel Racing est un jeu qui sort ce 8 septembre. C'est un jeu qui se déroule donc pendant la Révolution française dans une version complètement différente de la réalité. Donc on y incarne un automate au service de la reine de France qui va nous envoyer en fait en mission pour sauver cette révolution et on va y rencontrer différents personnages historiques bien évidemment. Donc le jeu se veut dans la même veine que les Souls et Elden Ring. Donc c'est un jeu qui va être assez difficile. Donc d'ailleurs la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de choix de difficulté à proprement dit. Donc vous avez le mode normal du jeu et vous avez un mode avec assistance qui peut être activé mais qui d'office vous empêchera d'avoir certains trophées. Donc pour ceux qui aiment les trophées, vous serez obligé de jouer dans sa version normale du jeu. Le jeu est assez difficile comme vous allez pouvoir un petit peu le voir dans cette vidéo. Donc vous commencez donc le jeu par une cinématique qui va vous présenter un petit peu le ressenti de la reine de France avant qu'elle ne vous envoie en mission et puis vous pourrez passer à la création de votre personnage. Donc il existe quatre classes différentes dans le jeu. On va dire une classe combattant, une classe de mage, une classe tank et une classe un petit peu différente avec le danseur. Donc au niveau de la création de votre personnage, vous choisissez la matière dans laquelle votre automate est fait, vous allez pouvoir choisir sa coiffure, son visage avant de passer donc au choix des différentes classes et pouvoir donc commencer cette aventure. Donc les premières missions vont vous proposer au fur et à mesure des petites astuces, vous expliquer un petit peu le fonctionnement du jeu. Vous allez très vite voir en fait un petit peu les limites du jeu, du système de combat, en tout cas au début de partie. Donc vous avez au début chaque fois une arme principale, une arme de jet, donc qui ici est dans une grenade généralement. Et puis vous allez voir les différentes stats que votre personnage a. Donc au début vous êtes vraiment comme dans tous les jeux, on va dire, votre personnage est assez faible et après c'est vous qui allez pouvoir un petit peu le configurer en fonction des pièces que vous allez trouver, que vous allez pouvoir placer, le pouvoir donc l'améliorer en fonction de votre style de jeu. Vous allez pouvoir mettre une arme secondaire et des choses comme ça. Au niveau des graphismes, on ne peut pas dire que les graphismes soient laids, mais on ne peut pas dire non plus que ce soit exceptionnel. Personnellement, je trouve que les personnages sont assez rigides dans leur manière de bouger au niveau des vidéos. Mais si pas, pour le reste, c'est vrai que les décors ont l'air assez jolis, assez recherchés. Donc voilà, ça c'est un petit peu une impression. Maintenant, ne pas oublier, il s'agit ici donc de la bêta test. Donc vous allez combattre principalement d'autres automates et au niveau du combat, donc vous avez deux jauges, vous avez une jauge de vie et une jauge de chaleur, on va dire. Donc c'est en fait votre jauge verte va, une fois qu'elle est vide, vous ne pourrez plus faire tout un tas d'actions comme sauter, courir, combattre et des choses comme ça. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir très vite augmenter, très vite gérer parce qu'en fait votre barre se vide quasiment complètement déjà sur un petit mob que vous croisez. Contre le boss, vous mettez trois coups et puis vous vous retrouvez sans pouvoir attaquer pendant un certain temps.
Par contre, ben, il vous met deux coups et il vous tue directement. Donc, c'est un jeu où il faudra énormément de patience pour avancer. Et clairement, oui, là, on peut voir ce côté difficulté que nous offrent les jeux comme les Souls ou Elden Ring pour un jeu sorti un peu plus proche de nous. On y retrouve en fait énormément de mécaniques comme dans ce jeu. On récupère donc sur les adversaires qu'on tue, on récupère une énergie qui va nous servir justement à pouvoir acheter les potions à certains moments qui vont nous permettre d'améliorer notre personnage. Donc on, voilà, on retrouve vraiment ce côté comme dans Elden Ring. Lorsque vous mourrez, vous aurez la possibilité, ben, si vous réussissez à rejoindre la zone où vous êtes mort, de récupérer l'énergie que vous aviez déjà accumulée. Et si vous mourrez par contre à nouveau sur ce parcours, ben, malheureusement, vous perdrez à ce moment-là toute l'énergie que vous aviez déjà accumulée depuis votre dernière sauvegarde. Au niveau de la sauvegarde, ici il n'y a pas de sauvegarde automatique du jeu. C'est aussi un système, on va dire, de feu de camp, sauf qu'ici ce n'est pas un feu, c'est une espèce de siège qui vous permet en fait d'améliorer, d'accéder aux différents systèmes d'amélioration du jeu, à la partie boutique on va dire, donc celle qui va vous permettre d'acheter vos potions et des choses comme ça. Au niveau donc des combats, comme je vous disais, voilà, le personnage, même s'il bouge bien, ben, vous êtes très très vite en surchauffe. Il va vraiment par contre falloir caler votre visée sur le personnage pour pouvoir combattre, parce que si pas, la caméra part un petit peu dans tous les sens et vous ne viserez pas forcément votre adversaire. Et alors on est dans un système ici, à la différence d'Elden Ring où on était dans un monde libre. En tout cas ici, pour le début du jeu, vous êtes vraiment dans un système, on va pas dire couloir, parce que vous avez à certains moments des petites alternatives pour vous déplacer, mais c'est quand même assez couloir au début. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce jeu. Donc un jeu qui sera à mon avis, on le verra avec le test complet du jeu, qui sera exigeant, qui ne se fera pas en quelques heures, en tout cas de par sa difficulté. Au niveau de la durée du jeu en lui-même, ben on verra un petit peu ce que ça donne. Donc comme je l'ai dit, un jeu qui sera exigeant, un jeu qui a l'air pas trop mal, même si voilà, graphiquement c'est pas forcément génial. Et si on va dire le système de combat, voilà, on verra un petit peu ce que ça donne sur la version définitive, mais en tout cas ici sur la bêta test, j'ai trouvé que le système de combat, même si ben voilà, une fois que vous avez pris l'habitude des boutons, c'est assez simple, hein, c'est jamais qu'une attaque simple, une attaque forte et un blocage, et puis ben voilà, des petits combos à pouvoir faire. Voilà, ce système où vous perdez très très vite votre énergie, ben c'est assez contraignant, et ben les combats ne sont pas super dynamiques, je trouve. Donc on verra un petit peu ce que tout ça donne dans sa version complète. Donc c'est un jeu, donc comme je vous l'ai dit, hein, qui sort donc ce 8 septembre. Je vous ferai une vidéo complète du jeu et du test ben dans les prochains jours, hein, dès que la version complète sera sortie et que j'aurai un petit peu épluché ça. Et ben voilà, hein, donc pour ceux qui aiment les jeux à la Elden Ring, ben voilà, je pense que ça va être un bon jeu pour eux, bien compliqué.
Maintenant, bah pour ceux qui aiment les jeux plutôt à la relax, ça risque d'être un jeu qui ne sera pas forcément fait pour eux. Donc voilà, cette vidéo touche tout doucement à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir, merci et à bientôt.